Good morning, Aleiden. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 h 5776. Et l'étude sera le Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, et l'Irfuat Tzvi Dov Ben Chaya. Nous étudions Baba Kama Perek Dalet Mishnah Gimel. Shor Shel Israel Shenagar Shor Shel Ekdesh. Veshel Ekdesh Shenagar le Shor Shel Israel Patur. Shenemar Shor Ehu Velo Shor Shel Ekdesh. Shor Shel Israel Shenagar le Shor Shel Nochri Patur. Veshel Nochri Shenagar le Shor Shel Israel. Bentam, Ben Mouad, Meshalem, Nezek Shalem. Cette Mishnah et la prochaine, la Mishnah d'Alet qu'on étudiera demain soir, Motzé Shabbat, apporte des précisions sur les personnes ou propriétés envers qui on a le devoir de dédommager lorsqu'on cause un dommage, ou bien inversement, lorsque eux-mêmes nous causent un dommage. Notre Mishnah va nous parler du Ekdesh, de ce qui appartient au Bet Amigdash, et des biens du Goy, notre devoir mutuel. Et la prochaine Mishnah de Mishnah d'Alet nous parlera plutôt des enfants et des fous qui aura encore des lois bien spéciales. Pour notre Mishnah, on peut déjà lire la première partie de la Mishnah qui est simple. Shor Shel Israel, Shenagar Shor Shel Ekdesh. Un taureau qui appartient à un Israël, un juif normal. Shenagar qui a encore né Shor Shel Ekdesh, qui a encore né un taureau qui appartient au Ekdesh, au Bet Amigdash. Et inversement, si un taureau qui appartient au Ekdesh, un korban en fait, c'est un korban, il est censé monter en korban, pour le moment il est encore vivant, donc, et ce taureau-là, encore un taureau qui appartient à Israël, alors la Mishnah nous dit qu'on est patour. Dans les deux cas, on sera dispensé de dédommager. Shenehemar, comme ce que la Torah nous dit, Shorehu velo shor shel Ekdesh. Le pasouk dans Mishpatim qui enseigne les lois du taureau qui est encore nous dit comme ça. Rigof, shor ish et shor rehu vamet. Lorsqu'un taureau qui appartient à une personne, encore un taureau, et la Torah nous incite en disant shor rehu, un taureau qui appartient à son prochain, vamet. Et ce taureau-là est mort, alors la Torah nous précise toute la halakhot de le vendre, de payer chati nezek ou bien nezek shalem, et tout ça. En tout cas, de cette insistance sur shor rehu, alors on déduit que l'on doit dédommager uniquement lorsqu'on a affaire à notre prochain, à exclure le Ekdesh, ce qui appartient au Bet Amigdash, qui n'est pas considéré comme notre prochain, c'est un autre domaine complètement indifférent, c'est une autre propriété. D'accord? Ça c'était pour la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah maintenant, elle est un peu plus délicate. Elle va nous apporter des précisions maintenant sur notre rapport avec le Goy. Alors, la Mishnah, on le fait d'abord dans les mots. Shor shel Israel, shenagach le shor shel nochri, patour. Si le taureau d'un Israël, un juif, encore le taureau d'un goy, alors on est dispensé de le dédommager. Vous allez me dire, c'est normal, shor rehu, le taureau de son prochain. Quand la Torah nous dit rehu, c'est rehu be mitzvot, celui qui est imposé par les mêmes mitzvot, autrement, on est dispensé. Le problème, il est que la Mishnah nous dit aussi, veshel nochri, shenagach le shor shel Israël. Par contre, si c'est inversement, le taureau d'un goy, encore le taureau d'un Israël, ben tam, ben mouad, meshalem, nezek shalem. Qu'il s'agisse d'un taureau tam, simple, inoffensif, donc qui pour le moment n'a jamais encore né, ou bien d'un taureau mouad, il devra toujours nous dédommager et nous rembourser intégralement tout le dommage. Vous allez me dire, c'est pas logique. Si on veut l'exclure de shor rehu, du fait que la Torah nous dit non, shor rehu, quand tu as affaire avec ton prochain, donc le goy, soit on le considère comme notre prochain, et donc à double tranchant, on doit le dédommager autant que lui doit nous dédommager, ou bien on considère, non, il n'est pas réou, parce que la Torah nous a dit réou be mitzvot, celui qui est ton prochain, qui a imposé des mêmes mitzvot, et sinon, ben, tu n'es pas imposé de le dédommager, mais dans ce cas-là aussi, inversement, lui aussi devrait dispenser, autant que pour le Ekdesh. Alors, la Gemara explique en fait quelque chose de un peu délicat, mais qu'en fait, je vais vous synthétiser le Tosfot Yom Tov, le Maharshal, et qu'en fait, se font tous les deux sur le Rambam. Concrètement, on considère le Goy dans la Torah, qu'il n'est pas considéré comme Rehu, comme ton ami. En fait, le mot Rehu, c'est une lachon Reha, qui fait plus allusion, c'est pas juste notre prochain, ça laisse s'entendre une certaine fraternité. Donc le Goy n'est pas considéré comme notre frère, étant donné qu'il n'a pas imposé des mêmes mitzvot que nous. Donc tout d'abord, il devrait être dispensé toujours de payer. Mais malgré tout, la Torah lui a imposé de nous rembourser quand elle nous impose.
La Gemara nous précise une raison un peu très spéciale, c'est qu'en fait, Hachem a imposé aux goyim des mitzvot, qu'il s'agisse de 7 mitzvot, la Gemara rapporte même plus que ça, qu'en fait Hachem, quand il a voulu donner la Torah aux hommes, il est d'abord parti voir soit tous les goyim, soit au moins Ishmaël et Esav, et eux ont refusé de recevoir la Torah, alors Hachem leur a fait un certain knas, une certaine amende, de toujours devoir nous rembourser. Le Rambam explique ça, on a l'impression à première vue que le Rambam va dire autre chose, mais en fait, ça vient compléter l'explication. Qu'en réalité, en théorie, le goy ne devrait pas rentrer dans toute cette paracha, autant que le Hekdesh, on devrait considérer le goy comme les biens du Beth Amikdash aussi. Ce n'est pas une propriété envers qui on a des comptes à rendre à partir du moment où on a un dommage. On parlera ensuite par rapport au vol du goy, on a déjà évoqué le sujet. Entre parenthèses, je suppose que ce sujet, beaucoup se souviennent qu'on a déjà parlé de ce sujet quand on était dans le Perek Rishon, la deuxième Mishnah qu'on a étudiée, où là-bas il y avait marqué Nechassim Shen Behem Meila, Nechassim Shel Menebrit. On avait déjà appris tout ce sujet. En réalité, c'est comme ce qu'on avait introduit dans le premier Perek, que le premier Perek en fait, de Baba Kama, le premier chapitre de Baba Kama, donne plein de généralités qu'en fait, tout au long de la Maseret, tout au long du traité de Baba Kama, ensuite, on reprend ces notions, on les précise davantage, on apporte plus de... D'accord, on les complète. Donc en fait, c'est vrai qu'on a déjà évoqué tout ça, mais là-bas, c'était très synthétisé, c'était une histoire de quelques mots, et puis maintenant, là, on le développe amplement. Alors, pour en venir en tout cas à notre sujet, par rapport au bien du goy, le Rambam explique qu'en fait, en théorie, le goy, il devrait être dispensé. Le problème, il est que c'est pas parce que je suis dispensé de dédommager que j'ai quand même le droit de causer un dommage. On a déjà évoqué ça plusieurs fois. Dans la Torah, c'est quelque chose d'assez original. Ça s'appelle Patour Medin Adam, Vechayav Bedine Shamaim. Même quand je suis dispensé de dédommager. Mais ça n'entrave en rien mon devoir de préserver mes biens, de ne pas causer un dommage. Quand on arrivera dans Baba Batra, par exemple, on verra des tas d'obligations de voisinage que je dois faire attention de ne pas causer des torts, des dommages à mes voisins. Et pourtant, si concrètement je leur ai causé un tort, je ne serais dispensé de le dédommager. C'est une notion qu'on verra vraiment très fréquemment. Le goy, dans le monde goy, dans la justice goy, ils ne sont pas capables de comprendre ça. Eux, ils réfléchissent, ils disent, je comprends pas, si la logique te dit de rembourser, tu dois rembourser. Si la logique te dit de ne pas rembourser, tu ne dois pas rembourser. Mais ça n'existe pas une logique où le ciel t'imposera de rembourser, mais le tribunal terrestre ne t'impose pas. Ouais, comme ce qu'on avait expliqué à l'époque avec l'histoire des drachot aran. Une notion assez subtile, mais en tout cas, comme ce qu'on avait expliqué. Concrètement, si au goy, on lui dit, tu sais, tu es dispensé, alors le goy il va se mettre à ne plus surveiller ses biens. Or, on a quand même un devoir, même quand je suis dispensé. Ça veut dire, quand je n'ai pas d'obligation de dédommager mon prochain quand je le cause en tort, ça ne me permet pas de négliger ma surveillance, le fait que je surveille tous mes biens, de ne pas lui causer un dommage. Or, si on dispensait complètement le goy, alors le goy ne surveillerait plus ses biens, parce qu'il dirait, tu me rends pas tour, donc tu me dispenses, donc je ne dois pas dédommager, donc je n'ai pas de responsabilité. Donc, pour ne pas arriver dans une situation pareille, la Torah le dit, tu sais quoi, paye plein pot, et depuis le début, même Tam, tu dois payer plein pot aussi. Comme ça, le Rambam explique, ça rentre bien avec ce que la Gemara en fait explique. Alors maintenant, on va faire dans le Barthénora tout ça. Non, dans les mots, on n'a pas repris dans les mots. Si, on les a fait, mais c'est pas grave, allez. Shor shel Israël, shel Nagach, le shor shel Nochi. Un taureau d'un juif, qui encore un taureau d'un goy. Pas tout, on est dispensé de le dédommager, donc comme ce qu'on a expliqué, parce qu'on considère que le goy n'est pas appelé Re'ehu, n'est pas appelé ton frère dans les mitzvot. Veshel Nochri, shel Nagach, le shor Israël, par contre, lorsque le goy cause le taureau du goy encore un taureau d'un Israël, ben tam, ben muad, qu'il s'agisse d'un taureau tam, simple, ou d'un taureau muad, averti, mais shalem, nezek shalem, le goy devra dédommager intégralement, payer nezek shalem, plein pot. On fait vite fait le Barthénora. Shor shel Israël, shenagar, shor shel nochri, patour. Un taureau d'un Israël, d'un juif, qui encore le taureau d'un goy, on est dispensé. Alors le Barthénora nous ramène directement les explications de la Gemara, hein, pour nous expliquer pourquoi le goy doit quand même nous dédommager. Dirtiv, parce que le pasouk nous dit dans Habakkuk, Amad vaimoded eretz ra'a vayater goyim. C'est un pasouk dans Habakkuk qui raconte
qui parle par rapport à l'époque de Noach, où quand Hachem a détruit le monde, et ensuite par rapport à Dora Flaga, quand ensuite ils ont fait la tour de Babel, et là-bas il y a marqué que Hachem s'est levé, s'est dressé, et a jugé, et il a vu, Ra'a, il a vu, Vayater Goïm, et il a, c'est un mot assez complexe à traduire, il a plusieurs significations, mais en tout cas dans notre propos, c'est Vayater Goïm, il a permis les Goïm. La Torah nous explique comme ça. La Gemara nous explique. Ra sheva mitzvot shenitzavu bnei noach. Hachem a vu que les goyim avaient 7 mitzvot, les bnei noach. Kevan shelo kiimu otan, étant donné que même ces 7 mitzvot, ils n'en avaient que 7, ils ne les ont pas accomplis comme il faut. Amad ve'etir mamonan le Israël. Hachem a, tel que c'est écrit, a permis leur bien aux bnei Israël. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie, mais en tout cas, pour le moment tel que les mots nous disent, donc le Israël n'a pas de devoir de les dédommager, d'accord? Ve Omer, et le pasouk nous dit aussi, Ophia Mer Parab, cette fois-ci c'est un pasouk qui se trouve dans Dvarim, dans Vezot Aberacha, Ophia Mer Paran, Vata Merirot Kodesh, Ophia Mer Paran, alors là c'est le pasouk qui fait allusion, qui explique même explicitement, même, qui nous raconte que la Torah, qu'Hachem est parti proposer la Torah aux autres peuples. Har Paran, c'est les Bnei Ishmael qui habitent là-bas. Et Hachem est venu depuis Har Paran. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'Hachem est venu depuis Har Paran, depuis la montagne de Paran, qui était en fait la terre d'Ishmael. Alors sur ça, c'est pour nous dire que non, il est parti leur proposer la Torah et ils n'ont pas accepté. De ce fait, Gila Mamonan Shalovde Kochavim Veitiran. Hachem a permis l'argent des Goïm au Bnei Ishmael. Mais Har Paran, Misha'a, alors le partenaire nous précise ce que ça signifie quand on dit Mehar Paran depuis les montagnes de Paran, Misha'a Shesibab Yerzir et Torah, Alaovde Kochavim Melo Kibloa, depuis l'époque où Hachem est parti proposer la Torah aux Goïm et ils ne l'ont pas reçue. Sur ça, je vous apporte quand même une grande précision. On a fini par la Mishnah, mais une précision importante. Ça se trouve dans le Tiferet Israël, Mamash sur cette Mishnah. Le Tiferet Israël, c'est un commentateur de la Mishnah, que vous n'avez pas prévu dans 5 minutes, qu'on trouve quand même dans toutes ces sortes de livres où il y a plusieurs, il y a 84 commentateurs sur ce livre. En tout cas, sur la page, c'est toujours celui qui se trouve en bas de la page. Le Tiferet Israël, maintenant dans le Boaz, nous ramène quand même notre rapport exact à voir avec les Goïm. Il y a une erreur qui s'est vraiment qui s'est propagée, que beaucoup de juifs se permettent quelque part, je ne sais pas qui leur a dit une chose pareille, qu'il y avait une certaine permission de voler le Goï. Alors sur ça, le Tiferet Israël nous dit comme ça. Miou, lignov meakum oleat oto, voler d'un Goï ou même le tromper. La Rambam, Isur Midoraita. Selon le Rambam, il y a en cela un interdit de la Torah. El Rashi Asur Midorabanan. Vafilu taout sheta akum meatsmo. Okshenimtsa vedato asur leakvan. Et pire que ça, il nous précise le Tiferet Israël, même lorsque le goy se trompe de lui-même, ou quand Kshenimtsa vedato, quand on trouve son bien dans la rue, alors asur leakvan. On verra dans ma même plus de précision sur cette halakha, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est cette partie-là. Vechan kataf Be'er HaGola. Il nous ramène maintenant le Tiferet Israël au nom du commentateur du Be'er HaGola. C'est un commentateur qui se trouve sur le Choshen Mishpat. Dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat. Vani Kotev Ze le Dorot. C'est un message qui donne pour toutes ces générations à venir. Shiraiti Rabbi Meshiru et Atzmam Mitaut Akum. Qui raconte qu'elle a vu autour de lui que beaucoup se sont permis de se remplir les poches grâce aux erreurs des Goïm. Velo Itzlichu, et ils n'ont pas eu de bracha, ils n'ont pas eu de réussite dans leur bien. Veyardu Minirseem, et ils ont fini par perdre tout leur bien. Velo Inichu Achareem Beracha, et ils n'ont gardé, ils ont ensuite donné et fait hériter à leurs enfants aucune bracha. Verabi Masher Kitchou, à l'inverse maintenant. Verabi Masher Kitchou Hashem. Par contre, beaucoup de juifs aussi de l'époque qui ont préféré faire du Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Hashem, et montrer la droiture juive que la Torah lui impose. Virziru Taotakum Bedabar Chashuv. Et quand le goy avait fait une erreur conséquente sur des petites sommes, Béhemet, il y a une certaine permission de garder. Il s'est trompé de lui-même. L'ego lui-même considère une erreur de ainsi. Donc nous aussi, on a le droit de le faire. Mais malgré tout, quand des fois, c'est une grave erreur. C'est vrai, selon le djinn sec, on a peut-être le droit de le garder dans la mesure où il s'est pas rendu compte. Mais malgré tout, le Béhemet Agola nous raconte que beaucoup ont été mitracés, ont fait plus que ce qui leur était dû, et sont partis le rendre au goy. Les gadlou, les tsnichou, les ishirou. Hachem a vu leur droiture et leur honnêteté et leur désir de sanctifier le nom d'Hachem. Gadlou, et ils ont grandi. Veitzlichu, ils ont eu la réussite. Et ils ont eu aussi, ils ont eu une bracha, ils ont eu du hocher, de la richesse. Veinichu, itram, leolalehem. Et ils ont ensuite laissé leur,
fait hériter ensuite même pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et aussi, ça va porter aussi dans le Sefer Chassidim. Et voilà, enfin, si vous voulez, lisez tout le texte. Concrètement, il y a... C'est une notion quand même qu'il faut quand même intégrer. Il y a toujours dans la Torah, on rencontre ces deux plans. Il y a la loi stricte. C'est vrai, la loi stricte, il y a des choses qui sont permises. Envers le goy, on n'a pas ces engagements de la Torah. Pour vous donner une petite idée, c'est quand même grave. Parce que si je me souviens qu'il y a 20 ans, j'étais déjà bar mitzvah. Donc, j'ai eu, par erreur, volé un shekel de mon camarade de classe. Eh bien, aujourd'hui, je dois partir le lui rendre. Et tant que je ne le rends pas, je m'appelle un voleur. Alors, tout ça, la Torah nous a dispensé envers le goy. Mais ça ne nous permet pas de devenir un mouchrat. Je ne sais pas comment ça se traduit en un voleur envers le goy. Il n'y a aucune permission à ça. C'est juste qu'on n'entretient pas le même rapport de sanctifier tout son argent. Ou chaque shekel, chaque euro qu'on doit à un juif, il est très important de le lui rendre. Envers le goy, on n'a plus ce devoir, mais on a quand même le devoir de rester des hommes. Droit, c'est une évidence. Ça va porter dans le prochain Mishpat, tout ça, dans le chapitre 348. Et sur ce, je vous souhaite un Shabbat Shalom, une journée pleine de Hatzlacha, un Shabbat Shalom, et rendez-vous demain. Kol Tov Sela.